Mes chers amis, bonjour, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de cette série incroyable, talent tant apprécié, tant controversé, car certains n'ont toujours pas compris que c'était une série purement ironique, que ces talents, c'était les talents des plus grands losers, mais des génies du n'importe quoi. C'est pas facile d'être un incroyable talent dans le sens inverse de l'excellence positive. Et on va regarder tout ça en image avec, en introduction aujourd'hui, deux gameplay, parce que bon, parce qu'il y en a certains sont pleins qu'il n'y en avait pas assez. En même temps, c'est pas facile de trouver des incroyables talents. En deuxième partie, vous allez voir qu'on a un énorme, incroyable talent. En première partie, c'est quelqu'un de très connu, c'est Farce Attack en fait, qui est défenseur. C'est un incroyable talent, défenseur cette fois-ci. C'est une première pour cette série. Pourquoi ? Parce que Farce Attack a utilisé cette base très connue, cette base populaire, cette base qui a été vue par maintes youtubeurs qui disaient « Est-ce la base imbattable, presque imbattable, best base ever, la meilleure base du moment ?» Bref, c'est ce que met Farce Attack en partage, en commentaire de son partage vidéo dans le clan « Best base ever », dit-il. Et il se prend un magnifique 100% avec cette meilleure base du moment. Voilà, Farce Attack qui est un bon farceur, mais même quand il veut être sérieux, ben ça se passe pas toujours bien. Bon, certes, sa base n'est pas maxée, certes, il n'a pas des murs tout bleus, certes, ses TDS ne sont pas max, etc., etc. Mais quand même, il se prend une bonne fessée sur une compo des plus traditionnelles, du bon petit golem, du bon PK, de la bonne sorcière qu'on voit arriver dans le château de clan derrière, et il va prendre très cher puisque c'est l'extermination totale. Voilà, alors je tiens à préciser pendant qu'on regarde la fin de ce gameplay tragique, poignant, mais enfin en même temps il l'a bien pris, hein, donc j'ai son autorisation pour l'humilier en public. Enfin bref, merci Farce de m'avoir passé ce gameplay, on a bien rigolé, c'était en live en plus. Je tiens à préciser pour ceux qui ont des incroyables talents que je ne cherche pas des gens qui font simplement des fails parce que ils ont, bon je sais pas, ils ont joué un petit peu leur sort vite fait, ou alors que ça s'est pas très bien passé parce qu'ils ont fait 30%, qu'ils avaient une bonne compo. Bref, c'est pas ça que je recherche. Je recherche des vrais génies et je vais vous expliquer ce que sont des vrais génies. On va voir ça tout de suite dans le deuxième gameplay. Je vous invite aussi à regarder les épisodes précédents de cette série, entre autres le premier où on avait un magnifique, je sais plus, je crois qu'il y avait du dragon avec du sort de saut. On va voir quelque chose que moi-même je n'y avais pas pensé dans ce deuxième gameplay. Ça va être un, je sais pas, un jeune artiste HD V8, voilà, qui va avoir une composition, comme on voit maintenant, à base de 20 cochons. Son roi niveau 3, certes, un château de clan qui contient un dragon max, attention, le dragon 5 qu'il projette tout de suite. Mais regardez bien ses sorts, il a que 8 séismes pour faire son full cochon. Alors là, je dis GG. Regardez bien le dragon, comme il est magnifiquement placé. En fait, il se dit tout simplement, j'ai un dragon costaud, donc vite, faudrait vite qu'il meure tout de suite, sinon il risquerait d'être utile. Bref, il envoie son roi tout de suite, il crée un chemin pour son roi avec peut-être les séismes, telle était l'idée, mais derrière tout de suite, à l'endroit où il n'y a plus de mur, ces magnifiques cochons qui sont censés sauter des murs, ben, sauteront dans le vide, et bien sûr déclencheront le château de clan qui était bien rempli. Il n'y a même pas un poison pour les éliminer, donc il c'est simplement une humiliation publique. Ces troupes, voilà, et c'est déjà fini, j'ai même pas le temps de finir mon commentaire, que les troupes du château de clan adverse ont déjà pulvérisé ces troupes à lui. Il aurait fallu faire un radentuil, son roi n'a même pas le temps d'exister. Bref, c'est un vrai incroyable talent, c'est une attaque furtive, fugitive, éclair, une des plus rapides de l'histoire, un magnifique 15% avec quelqu'un qui a utilisé tous ses sorts et toutes ses troupes. Bref, moi je dis gros GG, ça c'est du talent, et voyez que ce n'est pas un fail, c'est un véritable génie de Clash of Clans. Si vous aussi vous trouvez ces rares génies en GDC ou autre, merci de me faire savoir en commentaire de cette vidéo, et moi je vous dis à très vite pour un autre épisode. Ciao ciao.